Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Carl Saint-Il, moi là avec nous l'autre fois encore jeudi pour présenter nous émission Moment PAM. Moment PAM, c'est toute sorte de choses qu'on est sur l'environnement, sur la culture, sur le tourisme, sur la société en général. Et nous présents là avec vous, l'autre fois encore, côté que nous pourrons parler de la culture, puisque nous connaissons. Et la culture, c'est un sujet qui c'est bon, c'est un concept qui est assez vaste, qui est assez large. Donc, et si n'a pas eu la culture, donc nous obligés faire plusieurs émissions sur lui et pour nous essayer et centrer toute zone d'audio, tous les paramètres. Donc, pour permettre de comprendre une série de bagailles. Et puisque nous sommes, on n'a pas eu la culture, mais on n'a pas eu la culture par nous qui c'est culture haïtienne. Non? Et dans l'émission, ça, je dis, nous pourrons regarder comment et la culture en tant que concept et la culture tout par rapport avec le contexte par nous en Haïti, comment nous pouvons utiliser pour le développement social, développement économique et la caïnou. Et puis, nous pourrons regarder comment nous sommes capables d'utiliser les outils ça pour financer, alors, pas financer, mais pas non, comment nous pouvons utiliser les outils ça et pour bénéficier financièrement les deux activités culturelles, donc comment pays a bénéficié financièrement des deux activités culturelles. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la commune Lester qui a fêté fête patronale le week-end. Donc, nous allons parler de la commune ça, comme nous toujours fait dans l'émission. Donc, en fait, c'est tout ça que nous allons gagner pour nous discuter dans l'émission Moment PAM et jeudi. Donc, Moment PAM, c'est en parler pour nous apprendre, en parler pour nous changer. C'est tout ça que nous allons parler dans l'émission aujourd'hui. Nous allons camper, nous allons tourner. Nous retournons encore pour nous présenter l'émission Maman Pam. Donc, nous avons et dis de qui ça nous va parler. Donc, nous allons parler de la culture. Donc, nous allons regarder comment les outils ça nous a utilisé dans le développement économique, le développement social du pays. Donc, tant qu'on connaît déjà la culture, bon, il y a une bagaille qui caractérise le pays ça, Haïti, c'est ses richesses culturelles, c'est ça nous gagne en termes de oui, c'est ses richesses culturelles. Donc, comme je dis, donc c'est ensemble activité et artistique. Yo. Donc, c'est patrimoine culturel que nous gagnons. Donc, c'est tout ça qui caractérise les pays. Donc, c'est expression culturelle yo, qui joue un rôle important dans la vitalité et dans la mémoire peuple ça. Donc, je suis capable de dire que c'est ça qui constitue un ciment fondamental dans la cohésion sociale que nous gagnons. Donc, ou pas qu'à, tant comme moi dis, tant comme toujours rappelé dans l'émission, ça, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à réfléchir au développement d'un pays sans pas envisager et réalité culturelle, yo, sans pas tenir compte de réalité sociale. Yo. Donc, l'important, donc, pour nous toujours mettre accent sur la culture, nous, sur ça nous gagne, et comme valeur là, nous, valeur locale. Yo. Donc, l'important pour nous toujours mettre accent sur eux. Donc, c'est dans l'émission Moment PAM. C'est une émission que nous avons tête. Nous avons toujours rappelé ça et à chaque émission que nous avons fait. Donc, il faut que nous toujours chercher, découvrir des bagailles que nous ne connaissons pas pour nous présenter ou avec nous-mêmes, pour nous connaître. Ou. Parce que et Haïti, et tant pour moi, toujours dit, pas vraiment gagné un agenda culturel, donc un agenda national et culturel. Donc, ça, c'est mon problème. Donc, et chaque année, chaque 4 ans, chaque 2 ans, toujours gagner des événements qui a fait et dans les Caraïbes. Et toujours gagner des événements culturels qui a organisé dans les Caraïbes. Toujours gagner des événements culturels qui a organisé dans le continent Amérique, là, tout ça. Mais en pile fois, et pas jamais gagner de monde ou bien des structures qui sont en place pour profiter. Et tu as joint une édition, ça. Parce que nous connaissons un pays qui s'attend comme des États-Unis, qui s'est pratiquement les représenté dans ce secteur. Donc, je pense que l'important,
pour nous mettre accent plus sur ça nous gagne en termes de production locale. Parce que et même le ministère des Affaires étrangères, bon, nous connaissons qui occupe de diplomatie paysan, et même si nous appelons le concept de pilage, pas qu'à faire diplomatie, pas orientation politique. Et parce que c'est même genre pour l'économie. Soit faire agriculture la carotte, faire manger la carotte. Soit pas une capacité pour produire manger, pour consommation et pas consommation personnelle ou pas même penser qu'on produire manger pour l'autre monde. Ça aussi, c'est un aspect important pour nous garder. C'est-à-dire, si nous pas mettez en phase sous production locale, donc si nous pas travaillons pour nous vendre sans nous gagner la carrière, c'est-à-dire pour nous permettre que la population nous connaît et ça nous gagne la carrière en termes de culture, en termes de richesse culturelle, donc nous pas même besoin de penser que nous avons créativité et culturelle de l'autre côté. Nous n'avons pas besoin de passer à ça. Donc, l'important pour nous définir une politique publique, et une politique publique et qui chita sur une politique culturelle, donc, il faut regarder le résultat que le cabaret est sur le plan local. Et si le ça, il n'a pas connu comment nous avons exporté l'expression culturelle, la valeur artistique, et l'autre côté. Et parce que en Haïti, moi toujours dis ça, on a tendance à comprendre que Mounio y a créé des antinationaux. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas vraiment appelés à remettre ça au Gélakayo, valeur qui au Gélakayo. Donc ça a son problème. Et même là encore, pendant que je parle de politique publique pour renforcer le secteur, ça, même agriculture, autant que nous avons une politique culturelle qui faut. L'a fait impact sur l'agriculture. Parce que là, ça n'est pas obligé que nous mettions plus accent sur cuisine par nous, sur cuisine nationale, là, sur ça que nous fait comme cuisine. Et ça, tout, il y a un impact positif sur l'agriculture. Parce que je me dis ça dans l'émission récemment, et la République dominicaine, 80% consommation, visiteurs, touristes, yo consommer ces bagages qui fait la République dominicaine. Mais en Haïti, c'est différent. L'important, comme si pour nous mettre accent sur production locale, c'est-à-dire pour nous valoriser production locale. Et nous avons regardé tout, et pendant pas l'agriculture, toujours, c'est vrai que nous avons une agriculture qui n'est pas mécanisée, donc qui n'est pas dans un niveau moderne dans le gazelle comme ça. Ils sont des avantages, mais le cas pas un avantage tout. Dans la mesure où que nous avons une agriculture qui respecte les normes environnementales. Donc, les touristes qui viennent là, ils ont bien envie de manger un bagage qui n'a pas de proposition chimique là-dedans. Parce que, en réalité, qui est en province, qui est dans la province, qui est en pile dans et la Tibonite, par exemple, les gens qui font la production du riz, les gens qui ont du riz qu'ils font pour le vendre sur le marché, ça qu'ils mettent produit chimique là-dedans, ils là-dedans. Mais le bon dirait qu'elle fait à propre consommation, donc qu'elle ne permet pas de produits chimiques là-dedans. Il y a une réalité, ça, ici, tout, que nous ne connaissons pas. Donc, touriste n'a pas besoin de venir là pour la manger un bagage qui est naturel, un bagage qui respecte les normes environnementales, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est ça qui fait, me dit que c'est important pour nous définir une politique publique qui chita sous production locale, sous valeur locale. Donc, ça, je pense que c'est important. Et pour nous rester dans l'appareil de diplomatie culturelle, là, toujours, et moi, je pense qu'il faut gagner des acteurs, il faut gagner des structures qui existent, qui doivent travailler en commun accord avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui sont acteurs dans la question, qui certainement sont acteurs dans la question, et puis travailler avec le ministère des Affaires étrangères, tout, pour garder comment nous cas travail, tant comme ça dit tout à l'heure, sur une politique publique qui chita sur la culture, et puis regardez comment nous avons exposé autour et à l'étranger. Parce que chaque année, tant qu'on nous connaît, toujours, surtout dans la période ça, dans la période estivale, dans la période des grandes vacances, toujours il y a des fêtes champêtres à travers le pays. Donc, qui ça que nous faire pour nous vendre les fêtes ça?
Parce que fête pas de rester seulement dans zone côté à fête là et puis pas gagner encore. Parce que en pile nous qui n'a pas comme ça, Sodo c'est pas seulement haïtien qui a Sodo chaque année. Les étrangers toujours viennent Sodo tout. Et bon paquet de fête champêtre dans pays, les étrangers toujours viennent cap regarder comment bagaille va évoluer, comment culture nous a évolué. Pendant que nous-mêmes nous pas vraiment bail valeur avec les gens de bagaille ça. Donc je pense que c'est important parce que même n'a regardé à Akin chaque année. Toujours une destination à Akin. Comme ça. Et destination à Akin. Je pense que c'est valeur, ça qui gagne à Akin que vous vendez. Donc en fait, l'important pour nous mettre plus accent sur la production locale. Donc nous avons campé là, nous proposons, nous continuons avec débat, nous proposons et puis nous retournons. Oui, nous retournons encore pour continuer avec ça. Nous avons parlé de Akin. Nous avons dit que Akin, chaque année, toujours une destination Akin. Donc, son événement culturel qui est toujours en pile, le monde qui a l'adol. Donc, pourquoi l'adol? Non, même supposé, ça qui est en termes de contenu, c'est ça qui est en Akin comme. C'est ça qui est comme réalité la Akin. C'est ça, c'est ça que vous vendez. Et depuis quelque temps à travers le pays, il y a grand pile zone qui a fait organisé deux fois agro et gastronomique. Et je pense que c'est important tout. Pourquoi ça a fait? Mais il y en a pas qui est fondamental pour que ça fait. Il faut que nous ne pas chercher à copier ce qu'a fait de l'autre côté. C'est-à-dire bon fois qui fait à quelqu'un là. Et nous-mêmes qui sommes aussi wana mettre qui décide de faire une fois tout. Nous ne pas décider de copier ce qu'a fait à quelqu'un. Nous ne pas obligés de copier ce qu'a fait les organes. Nous qui doit un produit qui typique avec zone là que nous font peut-être moi même qui t'a décidé à wana met à long fois que a organisé wana met t'a bien aimé ouais comme si c'est culture zone là c'est ça qui c'est réalité zone là que m'a vivre m'pas obligé venir ici parce qu'en pile fois les fois on fait toujours ouais on prend de monde qui na artisanal qui sorti Port-au-Prince qui sorti de l'autre côté qui pour venir faire exposition pendant ce temps que zone là lui même les réalité parle des valeurs culturelles parlent que nous pas vraiment vendre. Donc je pense que l'important important de réfléchir avec Jean de Barre ça qui est important qui peut permettre que mon qui va permettre que mon découvre en pile réalité dans zone que pas de connaît. Donc il est toujours bon pour nous dans contenu pour nous intégrer plus réalité zone plus sa zone qui gagne comme et réalité culturelle. Donc je pense que c'est toujours bon pour nous ta faire. Donc en gros nous pas qu'à parler de diplomatie culturelle sans pas gagner existence de santare long politique publique. C'est-à-dire ici à partir de politique publique ça n'a pas découlé en politique culturelle. Dès le commencement de l'émission parce que c'est valeur locale yo faut que nous encourager mon yo consommer bien service et culturel qui gagne pas bon ici. Donc l'aime peut-être tu as un côté m'a tendre en musique vaudou. Faut que moun pa wèl comme un mauvais bagay. Donc je pense que c'est ça il faut nous mettre accent sur. Donc nous pas prêter trop sur ça parce que n'a bien l'autre émission pour nous faire sur la culture toujours certainement gen bagay que n'a bien pour nous parler et dans domaine là et n'a bien invité tout qui pi bien connaît question qui a venir là pour parler de sujet a. Donc, nous allons entrer tout de suite dans. Et j'entends qu'on t'a annoncé dans le commencement de l'émission. Nous allons parler de Lester, commune Lester qui a fêté fête patronale dans le week-end. Nous avons Lester fêté, et c'est 20, 21 et 22 août, qui a fêté fête patronale chaque année. Et nous avons que ses patrons, c'est Marie-Reine Immaculée. Et commune Lester que nous connaissons qui trouve dans le département de la Tibonite. Et commune ça que nous connaissons. Et bon, ça a gagné en termes de potentiel économique, puisque les communes dans le département de la Tibonite, il y a un marché communal qui sont en référence.
Donc, en pile monde qui moun là c'est bon et connaît ça. Et tant pour en pile commune dans département principale activité économique que moun yo mené c'est agriculture, c'est ça vous fait. C'est ça, tant comme dit là, c'est ça c'est principale activité en pile commune et en dans pays. Donc commune Lester c'est environ 176 024 km². Donc commune Lester capable faire 4 fois capitale Port-au-Prince. Et comme toujours dit, je ne pense pas que Port-au-Prince parce que c'est capital pays, c'est moitié Haïti qui est lié. Donc Port-au-Prince est un petit peu la main. Donc en pile commune dans le pays, il y a plus gros que capital Port-au-Prince. Donc en termes de superficie, la commune Lester est capable de faire 4 fois capital Port-au-Prince. Donc la commune Lester est relevée au rang de deux communes dans l'année 84. Donc pratiquement, la commune Lester est supposée être 37 ans depuis le relevé au rang de communes. Mais il faut que je dise que en 1954, sous présidence pour le jeune Magloire, il était élevé comme une liste au rang de quartier, laisse à l'époque commune. Et donc, week-end ça, liste a fêté, fête patronale. Fernando Live a souhaité tout le monde liste bonne fête, souhaité tout le monde liste bien fêté, même si nous avons un contexte qui est difficile, avec tremblement de terre là. Donc, nous connaissons que son tradition chaque année, c'est comme ça qu'elle est toujours faite. Nous avons toujours mis en pile l'accent sur la fête patronale. Donc, année ça, comme une liste, bon, nous avons fait une émission spécialement sur la fête patronale. Donc, comment l'État est capable d'utiliser ce type d'événement culturel, ce type de manifestation culturelle, ça, donc, pour faire développement économique. C'est comme je l'ai dit. Parce que depuis quelques temps, nous remarquons que nous faisons fête patronale pour tourner propagande politique. Et qui député, et qui magistrat, nous toujours obtenons une fête patronale pour faire capital politique. Yo. Donc, je pense que nous devons regarder la fête ça au son autre angle. Parce que je pense que c'est très important pour vendre la richesse et culturelle du pays. Donc, c'est en gros, c'est ça qui commune l'Esther. Et on pourrait, et commune l'Esther, il y a deux sections communales, il y a la Croix-Péris, et puis il y a un petit déjeuner tout. Donc, il y a de l'autre quartier, dans le petit jardin. Bon, mon qui m'a laissé, certainement, comprendre ça m'a parlé, donc ce n'est pas mon laissé, on ne peut pas comprendre. Mais son commune, quand le monde connaît, mon qui fait route, nous connaissons commune laissé, parce que de pour arriver, et laissé, il faut qu'on fasse un petit campé pour acheter un petit duri, pour acheter un petit lagar pour entrer la CAO. Donc, c'est pratiquement ça. Donc, en fait, c'est ça qui réalité l'autre bois. Donc, émission et moment PAM, je dis, c'est la nappe campé. Donc, nous te font parler dans le début de la culture, nous te font passer tout sous diplomatie culturelle. Donc, son bagage de temps en temps, chaque émission qui n'a toujours parlé de lui. Et nous font parler autour de la commune Lester qui a fait des fêtes le week-end ça. Et nous souhaitons faire dans nos lives, souhaiter tout le monde Lester bonne fête. Donc, merci à tout le monde qui t'a regardé nous. Donc, Manef Technique là, c'est toujours Kenley, c'est toujours Dalens. Et c'est le grand qui toujours gère Manef Technique là. Donc, merci tout le monde. À la prochaine pour l'autre émission Moment PAM.